Ça s'est pas passé comme prévu, je suis deck d'avoir claqué ma potion, j'ai gâché du charbon malheureusement. Là ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est trouver les créatures pour pouvoir les monter et traverser la lave. Alors je sais qu'il y en avait vers là-bas où j'étais quoi, dans les derniers épisodes. Mais par là où je suis allé malheureusement il n'y avait rien. Allez viens par là. T'es sérieux? Yeah, voilà. Et une nouvelle arme de ghast. Ça en fait deux. C'est bon ça. Il y a des squelettes partout. T'es gentil toi? T'es pas gentil. Si il est gentil, excuse-moi, non excuse-moi. Tiens du charbon. T'en veux pas? Excuse-moi, je pensais que t'étais méchant. Ah c'est sûr, c'est plus simple de leur mettre des name tags quoi. Bon, on va essayer de faire chemin inverse. Sans se faire agresser. Là, ça va, c'est plus ou moins safe. En fait, ce que je trouve dommage, ce qui serait méga stylé, c'est que eux, là, ils attaquent les Foxhounds. Ce serait trop stylé. Genre, ils seraient grave utiles, tu vois. Du coup, ouais, il me semble que là... Alors, j'ai été de me faire pousser dans la lave. Ouais, il y en a, c'est bon. Il y en a. Vas-y, viens. On va y aller, les amis. Bon, les amis, cet épisode sera coupé en deux. Ça fera deux épisodes. Du coup, j'imagine que là, ça va être le nouvel, là. Alors, attendez. Parce que là, du coup, il y en a tout plein. Ok, il y en a pas un plus proche. Si, là-bas. Let's go. Alors, par contre, comment faire maintenant pour descendre? Eh ben, on va passer par là, tout simplement. Bon, on va prendre mon chemin que j'avais pris, tout simplement, en fait. Hein. On va pas se casser la tête parce que... Bah, parce que ça va être par là, en fait. Attendez, bougez pas. Commence à faire un peu sombre, après ça dépend de la mise au point. C'est par là, hein. Ouais, c'est par là, les amis. Attendez, bougez pas. Oh putain, c'est un vrai labyrinthe, hein. Ouais, c'est par là. Ah oh, bah oui, vous voyez. Oui, regardez, il y a le copain là. Tiens, on va essayer de gratter des trucs. Tiens, mon pote. Hop. Je vais lui en mettre plein. Voilà, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que t'as à m'échanger? Oh! C'était quoi? Les gars, il m'a échangé un truc. De l'obsidienne, très bien. Mais attends, c'est quoi qu'il m'a donné? La vérité, il m'a donné un truc, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas eu. Et ça avait l'air super intéressant. What? Trop chelou. Ah, il y en a plusieurs. Trop bien. Oh, fire charge, obsidienne, magma. Mais c'est génial. Magma cream. Une nouvelle fire résistance. Non, par contre, ça vaut trop le coup, ça, les amis. Et on se calmait. De l'obsidienne. En fait, ça vaut trop le coup. Je vais peut-être pouvoir réussir à faire le portail du Nether. Bah, les gars, servez-vous. Hein. Vraiment. En plus, il me donne des fire résistance. C'est tellement rentable, en vrai. Une fire... 3 minutes de fire résistance contre un lingot d'or. C'est méga rentable, c'est quoi ça? Who is cutting onions? J'ai eu un nouvel achievement. C'est quoi? Crying obsidian. C'est un bloc de Minecraft en fait. Et ça me permet de faire le respawn encore. Onshore. C'est le truc que vous m'aviez parlé pour respawn dans le Nether, c'est ça? Ok. Ils m'ont... Bah voilà, je peux le faire. Ah non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah! Putain, il m'a fait peur, il est gentil ou méchant? Non, il est méchant, mais il s'est barré direct. Ah, mais il est gentil. Ok. Bon, les gars, attendez, c'est génial. Alors, j'ai pas encore assez... Je continue les trocs, les amis, parce que c'est tellement rentable. Ouais, viens par là, toi. Donnez-moi tout ce que vous avez. C'est génial. Oh, je suis tellement... C'est trop bien le Nether. Je kiffe le Nether. Regardez, j'ai deux fire résistance, j'avais pas vu. Et ouais, encore une crying obsidienne et je peux faire le respawn encore. Alors je sais pas à quoi ça peut servir en vrai, est-ce que c'est utile? Mais oui, parce que si ça permet de respawn dans le Nether, et ben le but de la série ultime à la fin, ça va quand même être, tu vois, de se faire une base. Donc ça va me permettre d'avoir un petit point de respawn directement dans le Nether. Ouais, puisqu'on peut pas dormir dans le Nether, c'est pour ça. D'accord, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop cool, c'est quoi ça? J'en ai rien à foutre de votre gravier. De la glowstone. Yes! C'était pas l'objectif, mais du coup je l'ai. Ça y est, crying obsidienne. Je vais pouvoir. Du cuir, hop.
Et glowstone. Je vais pouvoir. Non. Casse pas tout. Casse pas tout. Ouais. Ouais. Non. Par dessus la troisième corde. Yalla. C'est bon. C'est réglé. Je vous ai protégé les amis. On est tous potes maintenant. Ok. Ok. Ah non, j'ai récupéré l'or, je voulais pas. Qu'est-ce qu'il fait le con? Ah mais non, il peut pas brûler, je suis bête. Ok. Encore de l'obsidienne. Ok. De la nether brick. Bon, je suis pas encore. Je peux pas encore faire de portail, mais c'est trop bien. Les gars, c'est addictif de faire des échanges avec eux. Hein. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, les amis. Mais c'est méga addictif, hein. J'en referais bien plus souvent. Alors, c'est par où que je suis descendu, moi? C'est plus loin encore. Ouais, là, il y a une torche. Donc c'est bel et bien par là. Ensuite, je suis pas allé là évidemment, mais j'ai continué par ici. Je me rappelle plus exactement. En tout cas, ce qui est sûr, ouais. Salut. Bon après maintenant j'ai une fire résistance, hein, donc si je veux aller dans la lave, je peux. Mais bah attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'arrive déjà au niveau du machin, mais il n'y a pas eu mon escalier pour descendre. J'ai pris les gars, j'ai pris un autre chemin en fait que prévu. Bah tant mieux, hein. On est déjà arrivé finalement, alors attends. Bah ouais mais non. Parce que mes collègues là que je voulais monter, ils sont pas là en fait. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Dites-moi tout. Mais ils sont là les escaliers. Ah ouais parce que moi je suis passé par là alors que d'habitude. Ok ouais. Là il y en a un, mais je peux pas le choper là. Faudrait que... Ah juste en dessous de moi là. Vas-y mais c'est chaud de night. Ah bah vas-y continue par là-bas mec. Ou alors, j'ai tenté de faire un escalier. Ah ouais, c'est chaud de night. Je peux pas faire d'escalier là. Vas-y, laisse-moi passer toi. Je peux pas faire d'escalier. Ah mais attendez, c'est bon. On va faire un truc méga dangereux. S'il y a un ghast qui spawn, je suis dans la merde. Mais c'est pas grave. J'assume. Attendez. Attendez, lui il va me pousser. Voilà, au cas où. Je le sens pas. Je sens pas le doudi. Ok. J'espère que j'ai assez de blocs. Ouais, j'ai assez de blocs. Et en plus... Ouais, yes, nickel, il y en a un juste là. Par contre, j'ai peur de prendre des dégâts. Oh, je viens de capter un truc. Vous avez vu ce que je fais depuis tout à l'heure? Je sais pas c'est quel mode. Ça doit être Vanilla Twix, un truc comme ça. Normalement, tu peux pas, mais regarde, je peux poser un bloc... En dessous. Et c'est pour ça ce que je demandais. Quand y a, le curseur il devient bizarre. Regardez, vous avez vu le curseur là? Il a pas le même truc là. Oh, mais c'est beaucoup trop cool. Et personne ne le savait parce que personne ne l'a dit en commentaire. Mais c'est trop bien à découvrir ça. Oh merde. Ça m'a pas empêché de faire des conneries. C'est génial. Oh regardez les petits champignons. C'est génial. Ça change ma vie. Alors attendez. J'aimerais faire quand même un escalier. Pour pouvoir après repartir sereinement. Alors j'ai plus de blocs. Je vais utiliser encore la cobble. C'est trop bien. Salut toi. Il faut qu'il arrête de courir vers moi comme ça parce que je vais le buter un jour ou l'autre. Hein. Et je vais utiliser encore du gravel. Voilà, salut les amis. C'est David Lafarge Pokémon. Les gars, j'ai des cadeaux. Cadeaux pour tout le monde. Oh c'est quoi? Oh des blocs d'obsidienne, c'est... Oh c'est stylé. Je peux faire le portail si je veux du coup. Les gars je vais pouvoir faire un portail. Mais il se passe trop de choses. Est-ce que si je casse ça ils m'en veulent ou pas? Parce que ça pour faire les ascenseurs j'aimerais bien tu vois. Ah ouais faudra faire des ascenseurs hein. Aïe ça brûle. Ok. Donc je vais pouvoir traverser la lave avec ces trucs là. En plus eux ils me drop des machins. Encore une fire résistance. Encore du crying obsidian. Des fire charge. Il se passe trop de choses. Les amis ça y est je vais passer tellement de temps dans le nether maintenant. Vraiment je vous jure. Alors ça va peut-être pas vous plaire mais je vous assure. Vous inquiétez pas on va pas non plus traîner trop longtemps dans le nether à chaque fois. Mais voilà c'est le principe de la série. En plus on est à 1.16 donc assez régulièrement on ira quand même. Alors là j'ai plus de place pour la... C'est embêtant. Je vais du coup mettre dans mon backpack des trucs. Ender Pearl. Qu'est-ce que j'ai en masse? Et que je peux mettre? Bah, le charbon. J'en ai pas besoin. Et la... bah une fire résistance tout simplement. Excusez-moi d'avoir bugué.
Ils sont où mes loot? Là, ici. Merci messieurs. Vous êtes très aimables. Je vous aime beaucoup. Finalement, vous êtes des gens sympas. De toute façon, en plus, vous êtes sur une petite île perdue, donc si vous m'attaquez, bah je vous bute, hein. C'est pas compliqué. Ok, les copains, vous êtes où? Là, ici. Alors, attendez, ma petite canne à pêche. Et là, celle... Par ici, les amis. Et hop. Là, 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 je me promène. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, écoutez, je vais me permettre de prendre un peu d'obsidienne. Hop. Est-ce que si je m'arrête là, il s'arrête? Mais oui, il s'arrête en fait. Eh ben, let's go. On va se prendre l'obsidienne, les gars. Tranquille. Comme ça, on pourra se faire un portail et on verra où c'est qu'il va nous mener dans le monde normal. On fait de la découverte aujourd'hui pour ces épisodes. On va vraiment découvrir. Donc, dans le prochain épisode, on ressortira du Nether et on verra où c'est qu'on atterrira. Peut-être on sera pas loin de notre base. Peut-être qu'on sera loin. Je ne sais pas. On va voir. Par contre, ça m'a l'air d'être long. En fait, donc quand on est sur le dos du truc, c'est très long, donc c'est débile. Je vais arrêter, je suis désolé. Je vais à la place utiliser le gravel que j'en ai rien à faire. Donc hop, je vais poser ici. Voilà. Hop, est-ce que je peux? Yes, nickel, reste là toi. C'est parti, donc je vais prendre juste l'obsidienne. Et après on pourra partir. Ah c'est cool. On est bien. Maintenant le Nether il est à nous les gars. Le Nether il est à nous. Je vous dis on est chez nous. Ça fait vraiment le plaisir. Ah oui, hop. Je sais pas combien d'obsidienne il nous faut. Il en faut 10. Ah mais de toute façon j'ai pas de briquet. Bon il me reste une obsidienne à prendre. J'ai pas de briquet. Je suis bête. Bon il y a de la lave partout mais j'ai pas de bois non plus pour l'allumer. J'ai pas de briquet. J'ai pas un lingot de fer. Non. Parce que j'ai le flint, tu vois, mais j'ai pas le... Oh, fais chier. Eh, viens par là. Merci. Allez, on y va. Alors, on va se promener. On va en profiter, hein, faisons-nous plaisir. Bah, là, en fait, si on va pas par là-bas, on va arriver au niveau du donjon. Donc, on va continuer par là. Oh, le biome bleu, j'aime pas. Apparemment, quand c'est... Ah si, non, j'ai rien dit. Parce que ça commence à devenir bleu, mais rien du tout. Parce qu'il y a une vallée où il y a plein de ghasts et tout, il me semble. Ah, par contre, là, on fait comment quand on se fait attaquer par un ghast? On va rien pouvoir faire là. On est juste dans la merde. Adieu. Ah c'est bon, il me fait rien. Ça se peut en vrai, il nous attaque même pas quand on est à dos du truc. Y'a moyen hein. Je sais pas. Ah si. Bon on va éviter hein. Hop. Voilà. Parce que s'il me bute mon animal de compagnie, moi je finis dans la lave. Hein. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Voilà, laisse-moi tranquille. Hein. Ah, ça fait peur. Ok, donc on atterrit, bah voilà, dans une vallée bleue là. Oh, non, arrête, c'est les endroits où il y a plein de ghasts. On est d'accord. Ça fait flipper, j'ai pas envie d'y aller. J'y vais. Vas-y, j'y vais. Ouais. Reste par là, toi. Hein. T'as pas intérêt à partir. Hein. Parce que sinon moi je suis dans la merde. Ok. Let's go. Ah non mais non c'est une vallée tranquille. Attends c'est quoi le nom du machin? Minecraft Sun Sand Valley. Soul Sand Valley. Tranquille. Y a pas grand chose en vrai. Hein. Un jour on va trouver un bastion les gars. D'ailleurs vous savez, alors voilà j'ai besoin d'astuces aussi, mais les bastions, est-ce que ça se trouve dans un biome spécifique? Ou est-ce que bah, on peut trouver des bastions dans n'importe quel biome? Ça je ne sais pas j'avoue. Donc comme ça au moins on est fixé, n'hésitez pas à me dire. Si jamais vous savez hein, bien sûr. Il est encore là mon pote j'espère. Hein. Hey, mon pote. Je l'ai vu il est là-bas. Hey, mon pote. Hey, oh. Reviens. Enculé. Hey, oh. J'ai... Les gars mon gars. Là, tu me vois? Eh oh! Là! Voilà! Oh, t'as des petits yeux, hein, t'es un peu fatigué, hein, on dirait. Hein. Allez, on va rentrer. Bon, les amis, on va faire machine arrière. Alors, c'est quand même assez compliqué de se trouver un spot sympa. Ah, bah voilà, là, il y a le donjon, là, du coup. What? Il y a de la lumière, là? Ah ouais, il y a les 8 heures squelettes et tout. Alors, écoutez, on va peut-être passer par là encore. On va y passer. Et après, je rentrerai. Ouais, histoire qu'on ait quand même des blazes aussi. Que ça nous serve à quelque chose un peu cette expédition.
Bah même si du coup on a découvert aussi la Nether Crystal, les Crying Obsidian. Ok, donc on va se mettre là. Comme ça après j'ai plus besoin de cet animal là en particulier. Est-ce que tu peux monter? Non, il veut pas monter l'enfoiré. On va se débrouiller hein, à l'ancienne hein. Voilà, ah fait chier. Évidemment. Allez, là, monte. Dis-moi que j'ai assez. C'est bon. Allez, monte. En fait, je vous explique pourquoi je fais ça. Vous allez trouver ça horrible. Ah, il veut pas monter, là. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... bah non, bah je vais l'emprisonner, du coup. Attendez, j'ai une idée, je vais l'emprisonner. En fait, je voulais le buter pour récupérer la selle. Mais je vais faire mieux, je vais le... Hop, reviens. Je vais l'emprisonner pour que comme ça, je peux revenir par là. Hé hey, tu viens? Voilà, tombe dans le trou. Dans le trou. T'es bête? Dans le trou. Voilà. T'es paillèche. Ok, c'est bon. Tiens, ah, il veut du feu. Est-ce que je peux lui mettre ça peut-être? Pour le réchauffer, attendez, parce qu'après il va mourir, donc... c'est mieux? Ouais, il a toujours froid, je m'en fous, au pire il meurt. Hein. Ok, du coup, le petit donjon, on va y faire un petit tour les amis. Tout simplement, et puis après on rentrera tranquillement à la base. Je pense que je ferai ça en off le retour. Par contre, ouais, avec le shader, ça nous permet de mieux voir ce donjon. Donc ça va être bien sympa, un peu plus rassurant, et puis ça va mieux nous permettre de voir tout simplement. Donc, on va se focus sur les blazes. Et puis si on peut avoir une petite tête de viseur, bon, on dira pas non. Alors attendez, il faut sortir par là, on peut sortir là où on veut. J'ai assez de place dans mon inventaire pour prendre et les blazes et peut-être une tête de wither, donc tout va bien. Ok, oh putain, il y en a plein. Oh, parfait. Tu pouvais pas mieux tomber toi. Voilà, est-ce qu'il m'a looté? Évidemment que non, il m'a rien looté. Ok, alors ensuite, je rappelle que j'ai un arc sur moi si jamais, ça c'est bon à savoir. Oula. Alors, où est le blaze le plus proche? Loin hein, mon pote, regardez tous les wither squelettes qu'il y a. Salut. Il faudrait que je m'en approche. Bah écoutez, je vais aller en face hein. Pas le choix, on va chercher la merde les amis. J'ai combien de fire résistance? J'en ai 3. Non, j'en ai, en vrai j'en ai 4 parce que ouais, j'en ai une là. J'ai gagné 4 fire résistance en faisant du troc. Alors attendez, j'ai un petit problème les amis. En fait, voilà. J'ai plus de problème. Oh putain. Ok. 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 Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Encore un arc de gagné. Pour le coup, c'est cool. Allez, venez les gars. Faut venir. Hein. Faut venir. Hein. Là. Merde. Non, fais chier. Ok, je l'ai buté mais... Je vais garder une fire résistance pas loin si jamais, hein, parce que je sens pas les amis là, je vous jure, je sens pas. J'ai pas reçu de blaze, ça me fait chier. Voilà. Il y a un slime juste au-dessus. Wow, regardez, c'est trop beau. Des blocs de cristaux, ouais, c'est les blocs de cristaux, du coup il y a un de... Mais non. Ok, il y en a en face là. Ok, attendez. Ok. Il y en a beaucoup trop. Je sais plus où donner de la tête les amis. Mais je vais me les faire. En fait, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, lui il est mort. Évidemment, il a réussi à me shooter. Non mais. En fait, ce qui m'énerve, c'est que ça sert à rien de claquer la fire résistance maintenant. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours les flammes, tu vois. C'est juste mon champ de vision qui m'embête, quoi. Ah oui, mais il y a plein de. Oh. Oh mais vas-y, c'est bon, ça me saoule, vas-y. Allez, allez tous vous faire foutre. J'aurai pas de blaze. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est sympa. Ah bah voilà, il y en a un là. Mais t'es sérieux? Allez. J'en ai rien à foutre, je me claque une fire résistance. Ah non, non mais là faut arrêter de se foutre de ma gueule. Voilà. Hop. Toi je te dis tu meurs. Hein. Ah c'est un grand. Non. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez. Voilà.
Évidemment, il m'a encore rien looté. Ah! Alors les amis, j'ai jeté quelque chose de mon inventaire quand j'ai paniqué, mais je ne sais pas quoi. Voilà, si jamais. Et je sais pas où je suis. Accessoirement. Waouh. J'ai eu trop peur, je pense. Eh, d'où l'intérêt d'être en facecam, je crois. Attendez, frérot, on est où là? Je suis perdu. Oh, je sais pas où je suis. Ah si, attendez, ok. Je peux me trouver la sortie là, en fait, ok. Oh, j'ai de la chance. J'ai pris le bon chemin pour partir si jamais. Attendez, y'a plus le... Il est plus là. Ah si, il est encore là. En vrai, j'ai eu peur. Et ils font méga mal. Hein. En vrai, putain, ils font méga mal. Hein. J'avais complètement oublié ça, quoi. Oh, c'est incroyable, j'en ai rien à faire de ça. Ouais, je sais pas d'où je viens et je sais pas où je vais. Je viens d'en bas? Pas du tout. En fait, je vous explique, j'aimerais juste retrouver le chemin que j'avais avant. C'est-à-dire que là où je sais où est la sortie, je crois normalement. Je viens d'en bas. Pas du tout. Putain, en fait, j'aimerais retourner là où il y avait tout le monde, quoi. Bah voilà, c'est par là.